le 1er janvier, la porte du géant asiatique est fermée à 24 catégories de déchets solides. Parmi ces derniers, certains plastiques, papier et textiles. Mettant en avant des motifs écologiques, Pékin a annoncé cette mesure 6 mois plus tôt. Pour le directeur du Bureau international du recyclage basé à Bruxelles, cette nouvelle est un véritable séisme. En effet, ce remodelage du marché planétaire des déchets est problématique pour les industriels américains et européens. Ceux-ci sont habitués à voir une Chine avide de matières premières absorber la majeure partie de leurs déchets pour les recycler. Comme scénario catastrophe, la perspective que ces déchets soient incinérés ou placés en décharge. L'impact immédiat va être dévastateur. Les exportations mondiales de papier vers la Chine pourraient plonger d'un quart et celles de plastique s'effondrer de 80% en 2 ans, passant de 7,35 millions de tonnes à 1,5 millions de tonnes. Un couteau à double tranchant, l'interdiction de Pékin pose aussi un épineux problème aux entreprises chinoises du recyclage, celles-ci étant extrêmement dépendantes des déchets occidentaux. Désertion d'une quarantaine de gendarmes déployés sur le terrain pour des opérations antiterroristes dans le centre du pays. L'incident est survenu alors que le gouvernement a annoncé la semaine dernière le lancement imminent d'une vaste opération de sécurisation de cette partie du pays où les groupes djihadistes ont été particulièrement actifs ces derniers mois. Les déserteurs ont abandonné leur poste d'affectation pour le sud du pays pour, disent-ils, protester contre le silence de la hiérarchie autour de leur promotion qui tarde à se concrétiser et l'insuffisance de matériels médicaux et d'équipements. L'acte n'est pas resté impuni. 36 gendarmes ont été interpellés le lendemain de l'incident à 9 km de Bamako et mis aux arrêts dans différents endroits de la capitale. Ils appartiennent à la force d'action rapide de la gendarmerie malienne, une troupe d'élite de l'armée du pays. Des hommes formés donc en conséquence. Dans son dernier rapport trimestriel sur le Mali, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, juge extrêmement préoccupante la situation dans le nord et le centre du pays, en particulier dans les régions de Mopti et de Ségou, où il y a eu davantage d'actes terroristes ou liés au terrorisme que dans l'ensemble des 5 régions du nord. Ce comité laïque de coordination proche de l'Église catholique a de nouveau appelé les Congolais à marcher après la messe ce dimanche. Leurs principales armes pour sauver le Congo sont rameaux de paix, Bible, chapelet, crucifix. Ce, malgré l'interdiction décrétée par le vice-gouverneur de Kinshasa. Les initiateurs de la contestation affirment avoir quitté leur domicile et se cacher dans la capitale depuis le 28 décembre, 3 jours avant leur première marche. Au président Kabila, nous demandons une chose simple. C'est juste un acte de bonne foi. Dire que voilà, je suis arrivé au terme de mes 2 mandats, eh bien, je ne serai pas candidat prochainement. Je crois qu'il doit simplement annoncer à ce peuple qu'il ne briguera pas un autre mandat en dehors des mandats fixés par la Constitution. Nous poursuivons notre combat. Nous continuons à demander et à exiger cette ouverture justement en donnant des garanties, en donnant des signaux. Des signaux simples. Libérer les prisonniers politiques. Des signaux simples. Ouvrir justement les médias à tout le monde, ou du moins les médias officiels. On s'est armé de beaucoup de courage, mais nous ne renoncerons pas à ce que nous voulons faire. Nous ne renoncerons pas à nos objectifs. Donc, quelque part, nous sommes déterminés. On peut dire que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Des mandats d'amener ont été émis contre 5 membres du comité, d'après un magistrat du parquet. Face à la situation, les membres du collectif s'organisent. Le comité laïque de coordination a surgi dans la crise politique congolaise le 2 décembre pour relayer un appel de l'épiscopat du 23 juin 2017 intitulé « Le pays va très mal, debout Congolais ». Depuis maintenant 3 semaines, la justice sud-africaine tente de comprendre comment plus d'une centaine de patients atteints de troubles mentaux ont-ils pu mourir en l'espace de quelques mois dans des centres d'accueil privés, faute de soins, de médicaments et même de nourriture. Nommé par plusieurs fonctionnaires
au cours de témoignages comme étant celle qui a poussé les patients à quitter leurs établissements malgré les avertissements des médecins et des ONG, l'ex-membre du conseil exécutif de santé de Gauteng, Kedani Malangu, a témoigné aux audiences d'arbitrage de Life SID Mini. Malangu était à la tête du service de santé de la province lorsque 143 malades mentaux sont décédés sous la tutelle de l'État. It is indeed very unfortunate and deeply... Il est en effet très malheureux et profondément regrettable que la mise en œuvre de ce projet se soit soldée par une perte tragique de vies humaines. Je suis vraiment désolée que des membres innocents et vulnérables de notre société aient perdu leurs proches dans ce processus. Society lost their loved one in that process. Ces explications n'ont pas satisfait les familles, qui réclament un procès pénal et accusent les autorités locales et le gouvernement sud-africain, dirigé par le Congrès national africain. Elle semble avoir répété sa déclaration parce qu'elle nous a esquivés pendant très longtemps et qu'elle n'a pas de remords parce qu'elle n'arrête pas de blâmer le chef de département. Si elle dit que le chef de département l'a emmenée à chaque réunion parce que le chef de département ne conclura rien sans elle, alors comment se fait-il qu'elle ne le savait pas? Comment n'a-t-elle pas vu cette chose venir? L'opposition a fait de cette affaire une tragique illustration de l'incompétence et de la corruption de l'ANC. Le 3 janvier dernier, le juge a déclaré qu'il n'y aurait pas de nouveau report. Mais deux procédures vont sans doute être débattues et pourraient une nouvelle fois entraîner un report. Votée la semaine passée en conseil municipal, la mairie de Dakar pourrait tenter de se constituer partie civile à l'ouverture de l'audience ce mardi. De leur côté, les avocats de Khalifa Sall, qui estiment que la procédure n'a pas été menée dans les règles, ont obtenu la saisie de la Cour de justice de la CEDEAO, qui doit se réunir le 30 janvier prochain. Ils pourraient donc demander un report de l'audience. Aussi, pour éviter tout débordement et permettre la tenue des débats à l'ouverture du procès, le palais de justice sera une nouvelle fois placé sous haute sécurité. La question de l'insécurité foncière et de l'instabilité des droits fonciers en milieu urbain, périurbain et rural au Bénin tire sa source de la pression de plus en plus forte exercée par différentes catégories d'acteurs fonciers en quête d'espace pour le développement de leurs activités économiques, sociales et culturelles. Et c'est pour contribuer à éradiquer de façon pérenne l'insécurité foncière et vulgariser les réformes dans le foncier que le juriste et expert foncier Xavier Zola s'est penché sur la problématique dans son ouvrage de 80 pages intitulé « La réforme foncière au Bénin pour vous et moi ». Le foncier fait appel à la terre, comme on le sait tous. Et la terre est au centre de tous les enjeux de société. Et tant qu'on ne va pas régler la question du foncier, on ne va pas pouvoir bouger dans ce pays. L'ouvrage permet donc de comprendre les principes fondateurs et les choix opérés dans le cadre donc de la réforme foncière chez nous à travers 4 chapitres. Il permet de répondre à diverses interrogations sur la formalisation des transactions foncières. La question de la gestion des conflits fonciers n'est pas éludée. Et également les mécanismes judiciaires de règlement des litiges en matière foncière. Présent au lancement, le magistrat William Kojo Kwakwasu, qui a préfacé le livre, a salué la qualité de l'ouvrage qui, selon lui, permet au lecteur d'avoir une bonne lecture des orientations actuelles dans le secteur. Je comprends que M. Zola ait entrepris de nous aider à mieux comprendre la réforme foncière dans notre pays et à mieux défendre nos droits. Parce que l'arbitraire s'installe lorsque, justement, ceux qui ont des droits ne l'expriment pas et surtout les ignorent. Donc cet ouvrage permettra à chacun de mieux connaître ses droits en matière foncière. Tout récemment, 60 articles du Code foncier et domanial ont été revus. Ces réformes apportées à la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant Code foncier et domanial au Bénin visent à sécuriser le patrimoine immobilier, rendre davantage accessible la terre, conformer le système foncier national aux exigences communautaires dans l'espace, OADA. Khalifa Sall et ses co-prévenus doivent répondre de dépenses non justifiées de 2,7 millions d'euros prélevées sur plusieurs années, selon la justice, dans les caisses de la mairie,
ce qu'ils ont à nouveau nié mardi. L'État du Sénégal s'est introduit par effraction dans un procès où il n'a rien à faire. Sa constitution comme partie civile est irrécevable, a lancé l'un des avocats de la défense. Ce ne sont pas des deniers de l'État qui sont concernés, ce sont des deniers de la mairie de la ville de Dakar. Donc la constitution de partie civile de l'État ne se justifie plus. Seule la mairie, seule la ville de Dakar peut se constituer partie civile parce que les enjeux, l'argent concerne la ville de Dakar. C'est l'argent de la mairie, ce n'est pas l'argent de l'État. Aujourd'hui, avec la constitution de partie civile de la ville de Dakar, nous nous retrouvons avec une vraie partie civile et une fausse partie civile. Donc ces deux parties civiles ne pouvant pas cohabiter dans ce procès, nous avons demandé au tribunal de déclarer irrécevable la constitution de partie civile de l'État parce que, encore une fois, les collectivités locales depuis 1996 sont majeures et ils se représentent elles-mêmes en justice. Des arguments rejetés en bloc par les avocats de l'État du Sénégal. En ce qui concerne l'État du Sénégal, il y a bel et bien un préjudice. Comme nous l'avons toujours défendu, ce sont des deniers publics qui ont été détournés. Ce sont des deniers publics qui ont été détournés. Le principe de l'unité de caisse, le principe de la fongibilité des deniers publics font qu'on ne peut pas distinguer des deniers appartenant à une collectivité locale des deniers appartenant à l'État. Ouvert le 14 décembre, le procès de Khalifa Sall, l'un des principaux opposants au président Macky Sall, avait été reporté à deux reprises avant le début effectif des débats mardi. Depuis son arrestation en mars, toutes ses demandes de liberté provisoire ont été rejetées. L'homme politique, ancien ministre, maire de Dakar depuis 2009, avait été élu député en juillet. Ses partisans imputent ses déboires judiciaires à sa fronde contre le régime Macky Sall et à sa volonté de se présenter à la présidentielle en 2019, des soupçons rejetés par les responsables du pouvoir. Connu en Afrique du Sud sous le nom de maire de la nation, Winnie Madikizela Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, a été admise à l'hôpital Milpark ce dimanche. Elle souffre d'une infection rénale et devrait rester une semaine à l'hôpital, selon un communiqué de la famille Mandela. Winnie Mandela, 81 ans, qui est considérée comme une héroïne de la lutte contre l'apartheid, avait été persécutée par les autorités du régime minoritaire blanc. Elle avait été nommée ministre après les élections de 1994. Nelson Mandela et Winnie, qui s'étaient mariés en 1956, avaient divorcé en 1996. En effet, les frasques de cette femme de caractère, son discours violent et des accusations de meurtre portées contre ses gardes du corps, l'avaient rapidement éloignée de son époux. Nelson Mandela a légué ses biens à sa dernière épouse Graça Machel, ses enfants et petits-enfants, ses proches et anciens collaborateurs, ainsi qu'à des écoles et à son parti, le Congrès national africain. Mais il n'a rien laissé à Winnie. Après plusieurs renvois, le procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, a pu démarrer ce mardi. Pour cette première journée d'audience, il a fallu 9 heures d'intenses débats entre les deux parties qui se sont livrés à une bataille de procédures. D'abord, la mairie de Dakar souhaite se constituer partie civile. Les avocats de l'État et le procureur ne sont pas d'accord. On écoute Maître Ella Diouf qui défend le dossier de la mairie de Dakar. Cette ville de Dakar doit assister au procès en tant que partie civile. Parce que s'il y a préjudice, seule cette ville de Dakar pourrait subir ce préjudice. Personne d'autre ne peut subir un préjudice dans cette affaire, en dehors de la ville de Dakar. Vouloir écarter la ville de Dakar, installer quelqu'un dont l'argent n'est pas concerné, dont les deniers ne sont pas concernés comme l'État, c'est créer un précédent dangereux. C'est même créer une partie civile impossible. Du côté des avocats de l'État, on estime que la mairie aurait pu se constituer partie civile depuis le début de la procédure, pas aujourd'hui maintenant, à l'ouverture du procès. La justice n'est pas à la disposition de la mairie. La mairie avait toute l'attitude pendant un an de se constituer partie civile. Elle ne l'a pas fait. Et même ils ont pris une délibération pour dire nous refusons de nous constituer partie civile. Donc, si vous voulez qu'on fasse. Maintenant, on arrive au procès, ils disent oui, on se constitue partie civile, il faut renvoyer. Mais enfin, ce n'est pas sérieux. La constitution des partis civils de l'État du Sénégal a également été attaquée par les avocats de la défense. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, est apparu ses premiers jours serein, souriant. Il a été acclamé par ses partisans qui sont venus nombreux au tribunal.